Et salut tout le monde, c'est Sam, j'espère que vous allez bien parce qu'en tout cas moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de ce Let's Play sur Inazuma Eleven 3. Alors déjà je tiens à vous remercier de toute votre fidélité pour le dernier épisode. Vous étiez vraiment très nombreux en commentaire à me dire que c'était cool et tout. Donc ça fait grave plaisir. Et maintenant aujourd'hui on va donc continuer, on doit aller voir Jude il me semble. Et continuer donc le Let's Play ensemble. Alors là j'ai vu qu'il y avait un coffre déjà, on va le prendre. Jeton jaune, alors oui ça c'est une spécificité du jeu je crois, c'est un nouveau truc. Bon bah on continue les amis. Voilà, vous avez été très nombreux à me dire que vous préférez donc que je fasse les voix moi-même. Donc les voix des personnages in-game je les ferai moi-même, donc voilà les amis. Pour ceci, c'est clair au moins. Jude seul Onui Rei Rei, allez-y, on y va, pas de soucis. Onui Rei Rei, commerce. Je crois normalement c'est au commerce hein. Il me semble. Pas de défi, regardez les amis, on peut se naviguer tranquille, regardez, hop là, dans Inazuma Eleven, sans avoir de défi, c'est pas cool ça. Ah oui, c'est vrai, il y a les capsules. Merde, il y a un magasin, mais non, c'est ça que je veux, moi. Ah merde, on peut pas les utiliser encore. Dommage. Merde, je crois que j'ai dû passer en plus les nourrir. C'est là. Ok. Parlez à Jude. Jude, il est là, le frérot. Mais enfin, monsieur Hillman, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi avez-vous décidé de convoquer Caleb? Pourquoi lui? Il était capitaine de la nouvelle Royal Academy. Et c'est par sa faute que David et Joseph ont fini dans un état critique. De plus, il est bien loin d'avoir les qualités nécessaires pour représenter son pays. Aïe aïe aïe, Jude qui rage là. Ça, c'est à moi d'en décider. Et il aura la chance de faire ses preuves, comme vous tous, au cours du match de sélection. Ah, on a hâte hein. Oh, j'ai vraiment hâte de ce match. Mais monsieur Hillman, Jude a raison. Marc, ça te ressemble pas. Au lieu de t'immiscer dans les affaires des autres, tu ferais mieux de t'en aller, Marc. Je n'hésiterai pas à t'écarter de l'équipe si tu n'es pas à la hauteur lors du match de sélection. Il mène sans pitié. Hein. Ce tournoi est pour vous une occasion unique de mûrir en tant que footballeur. De plus, tu dois comprendre que cela signifie d'être capitaine et définir la façon dont tu peux aider ton équipe au mieux. Comprends ce que cela signifie d'être capitaine? Oui, si tu n'y parviens pas, tu n'auras pas ce qu'il faut pour mener une équipe de classe mondiale. Et tu n'auras pas ta place. Ouh. J'ai compris, pourquoi vous dites ça? Que je repousse mes limites? Pour que j'essaye de me dépasser? Faut que tu sois plus ultra, Marc. Comme dirait notre ami Izuku. Te dépasser? Oui, j'imagine qu'on peut dire ça. Alors, je vous décevrai pas. Je vous montrerai de quoi je suis capable. Et Jude aussi. Quoi? Je sais que cette histoire avec Caleb te mine le moral, mais tout ce qu'on peut faire, c'est donner le meilleur de nous-mêmes. Je t'envie, tu sais. Tu as de la chance d'avoir Monsieur Hillman pour te guider. Quand tu as appris à jouer au football, il t'a épaulé. Et tu as aussi pu t'aider des notes de ton grand-père. Ah oui, lui, il avait curé Dark, lui, le pauvre miskin Jude, hein, vraiment. Hein. Moi, tout ce que j'avais, c'était... Je crois séparé de sa sœur à la naissance et tout. Vraiment, il a une enfance de malade, lui. Hein. Je ne pourrais jamais m'amuser en jouant dans la même équipe que Caleb. Il me rappelle trop Red Ark et c'est les atrocités qu'il a commises. Je demande si j'arriverai un jour à sortir de l'ombre de Red Ark. Oh. Tu n'as pas à t'en faire, Jude. Il n'y a plus aucun pouvoir sur toi. Nous avons vaincu Red Ark, ne l'oublie pas. Et nous aurons peut-être bientôt l'occasion de représenter notre pays dans un tournoi de foot. Il suffit de faire de notre mieux. Peut-être. Nous irons nous entraîner sur le terrain après de la rivière. Vous pourrez utiliser le terrain du collège. On se retrouvera au match de sélection. Oui, à bientôt. Et on ne vous laissera pas gagner, tu vas voir. Jude. Oh! De quelle équipe souhaitez-vous prendre la tête pour le match de sélection? Le choix n'aura pas d'influence sur les événements qui suivront le match. Alors, choisissez celui qui vous plaît le plus et donnez tout ce que vous avez. Oh putain. Ouh, Marco Jude. Ah putain, j'ai pas en live, je peux pas vous demander. Mais là, je pense que Jude, j'adore, mais je vais prendre Mark Evan. Je vais rester sur une base solide. Après, je vais voir leur team. J'espère que c'est pas définitif. Ok, ils ont... Merde, ils ont qui? Ils ont Marc, Xavier, Sean, Kevin, Max. Ils ont une bonne team, les gars, mais... En vrai, ils ont une bonne team. Je vais voir l'autre team, quand même.
Non, je vais voir la team de Jude. Alors, ils ont Darren, bon ça, dommage. Isaac, Scotty, ils ont Nathan quand même. Jude. Putain, ils ont une bonne équipe aussi, hein. Bon, les gars, je vais prendre la team Mark Evans. Allez, c'est parti, je prends la team Mark, les gars. Team Mark, let's go. Pendant ce temps, dans une ville d'un pays lointain. Celui que nous attendions depuis si longtemps sera bientôt là. Lorsque le moment sera venu, j'ose espérer que vous n'oublierez pas de servir fidèlement celui à qui vous devez la vie. À qui croyez-vous parler exactement? Mais quelle insolence! Chut, celui. Du calme, imbécile. Je vous prie d'excuser mon ami. Bien, nous évoquions la nécessité d'employer les noms de code pour l'opération à venir. Oui, ils se révéleront en effet très utiles. En ce qui me concerne, mon nom de code sera... Mr. D. Oui, ce sera parfait, moi. Hâte de te rencontrer, Mr. D. Bah alors, du coup, Jude, on va le laisser un petit peu tout seul. Alors, Nouille, ok. Jude, qu'est-ce qu'il fait ici? Ok, il est juste en train de réfléchir, d'accord, si tu veux. Allez, on sort de là, non. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous nous voulez? C'est vous qu'on a choisi comme candidat à la sélection nationale, non? On va vous mettre la pâtée et prendre vos places dans l'équipe. Vous êtes prêts à mordre la poussière? Lorsqu'il s'agit de football, nous sommes toujours prêts, allons-y les gars. Ouh, petit défi avec notre team. Team Mark Evans. Ok, ça on s'en fout. C'est parti. Ok, ils ont l'air bof, hein. De toute façon c'est nous, Inazuma Japon. Vous êtes personne, vous. Bon allez Kevin. Bim, allez, reprise, Choc Dragon 2. Choc du Dragon 2. Yes, ça passe. J'ai vu qu'on avait Xavier dans notre équipe, j'ai bien envie de le mettre dans mon équipe de défi là. Continuez comme ça. Défi remporté, yes. Alors, level up, jeton jaune, ok. Vous êtes plutôt doué en fait. Bon allez les gars, on s'en va. C'est ça, fuyez. Je dois dire que je m'attendais pas. Mais pourquoi nous ont-ils défiés? Tu sais, beaucoup de joueurs feraient n'importe quoi pour avoir la chance d'intégrer la sélection nationale. Forcément vous allez... Ah c'est bon, il y a les défis maintenant. Il y a les défis. Let's go. Ils veulent pas nous laisser tranquilles. Tout à l'heure je disais on était tranquille mais... Bon, ça aura pas duré longtemps. J'en profite pour vous informer que le blog... Ok, d'accord, ta gueule. Ta gueule. Laisse-nous jouer, Willy. S'il te plaît. Ta gueule, Willy, s'il te plaît. Où j'en étais-je? Ah oui, pour... non, c'est bon, c'est pas possible, lui. Au fait, si vous voulez avoir des informations... Ok, ça, c'est pour recruter des joueurs, j'en sais rien. Bon, ça, je passe. Ça, c'est vraiment le dialogue inutile du début de jeu. Ça sert à rien que je les lise, les gars, parce que... Voilà, on sait tout ce que c'est. Parallèlement, dans une base d'entraînement militaire dans l'an 20XX. Oh putain. Écoute-moi bien, Bachlanzer. C'est toi qui mèneras les ogres au combat. Oh là là, trop serein le gars. Soldat, voici votre cible. Allez tout le monde, on va jouer au foot. Le mal qui ronge notre nation depuis de si nombreuses années a été catalysé par cet individu, Mark Evans. Notre jeunesse souffre d'une terrible maladie. Et cette maladie, c'est le football. Les esprits de nos enfants, dont dépend la gloire future de notre nation, sont corrompus par ce passe-temps frivole. Si cette maladie continue de les pervertir, ils grandiront sans savoir ce qu'est une véritable guerre. Ouh là là, mais faut se détendre, monsieur. Attention, hein. Il est complètement taré, le mec. Il est fou, ce gars. Tout est prêt, Amiral Hillman. Excellent. Ogre, votre mission sera de retourner dans le passé et de changer le cours de l'histoire dans l'intérêt général. Puisse l'opération Brise-Tonnerre vous libérer du football pour toujours. Ils sont TP, wow. Comment ils sont TP, frère? Oh yes, allez, on contrôle. Attention les défis, on va sortir par le haut, ça va être plus rapide. Mais attention les défis maintenant.
Je crois que ça va être un abusé. Voilà, qu'est-ce que je disais. Ça commence. Ça commence, bordel. Bah allez, on le fait, on est pas des trouillards, nous. C'est parti, let's go, Sean Frost. Eh bim, allez. Blizzard éternel V2. V2, on t'a dit, hein. Bon, allez, défi remporté, c'est nickel. Un peu de level up. Oh, une technique sumo secousse, ok. Très bien. Ok. Du coup, là, il me semble qu'il faut que j'aille à Raymond parce que Jude, tout à l'heure, il nous avait dit qu'il allait à la rivière, lui. Exactement. C'est nous, on a le terrain, vous avez la rivière, allez. Putain, laissez-moi soigner mes joueurs, bordel. Oh, je m'en fous, je fais fuite, hein. Dégagez. Ah oui, on va peut-être regarder qui on peut mettre dans notre team aussi. Je pense qu'on va mettre Xavier, on est d'accord, hein. Xavier et Sean. Et Jack, voilà. On reste comme ça pour l'instant. Ok. Bon, j'ai sauvegardé, je sais pas ce qui nous attend. Je préfère sauvegarder. C'était rapide. Ok, let's go. Salut Marc, si tu es content des joueurs de ton groupe, on peut commencer le match d'entraînement, tu es prêt? Le match se joue entre 4 contre 4. Souviens-toi que la sélection aura lieu dans 2 jours, alors faire de ton mieux. Ok. On a bien fait de prendre Xavier du coup alors. Archer, j'ai vraiment toi de te voir jouer. Oui. Ok, let's go. Allez, allez, c'est parti, on va jouer au foot. Hurley, Max, Kevin, Archer. Ok, on a bien fait de prendre Xavier avec nous. Ils ont eu Kevin du coup. Sinon on aurait eu Kevin à la place. Allez, c'est parti. Météor géant V2. Météor géant. Allez, faut que ça passe. Ça passe, en plus c'est Orléans au goal. Ils sont vraiment désespérés quoi. Ok, ça passe. Oh, c'est pas fini. Oh, c'est carrément un match, on nous laisse jouer jusqu'à la fin, ok. Premier match alors. Premier semi-match de l'aventure. Il tire de là lui, il est complètement taré. Allez, merci. Merci de la passe. Allez Sean, toi aussi tu marques, je m'en fous. Allez bim, 2-0. Est-ce qu'on leur mettrait pas un petit 3-0? Oh, oh, Archer qui dribble Sean. Intéressant. Allez Jack. Putain, mais lui met un coup d'épaule frère, il est... D'où Jack il se fait percuter comme ça. Putain, Jack il pèse 3 tonnes. Tu vas pas me dire. Allez Xavier, pars en profondeur. Bon bah tu sais quoi Sean, le goal n'est plus dans ses cages, quelle erreur. Bon bah yes, 3-0, 3-0 les amis. Hat-trick. Dans notre joueur il y a vraiment Sean. Ce qui m'a fait prendre cette équipe, pour ceux qui me demanderont dans les commentaires, la sélection A de Mark Evans, c'est surtout Xavier et Sean, hein. Deux excellents joueurs. En face il n'y avait pas grand monde en attaque à part Axel. Donc j'ai préféré prendre Xavier et Sean. Bon bah yes, 3-0 les gars, ça commence bien. Ça commence bien, pour une fois ça commence bien. Parce que les défis c'est pas trop mon truc d'habitude. Ok, parfait. Bravo à tous. Alors, est-ce que vous avez tous trouvé votre place dans l'équipe? Repose-toi un petit peu et reviens de parler plus tard, d'accord? Bah non, mais on revient de parler maintenant en fait. Tu as fini l'entraînement pour aujourd'hui? Oui. Les joueurs améliorent leurs compétences techniques de manière remarquable. Oui, enfin presque tous. Tu sais qui a toujours l'air de jouer comme un débutant? Archer. C'est sûr, c'est Archer. Allez, les courage, Archer. D'accord. En effet, pour autant que je puisse en juger, c'est un vrai novice. Il ne connaît même pas les bases. Pourquoi s'est-il sélectionné? Maintenant que tu en parles, Austin Hobbs est un peu maladroit lui aussi. Austin? Ah bon? Si c'est de... Mais il est stressé, c'est pour ça, je pense. Si ces deux-là étaient si doués, ne les aurait-on pas rencontrés lorsqu'on cherchait les meilleurs joueurs du pays? Je me faisais la même réflexion, enfin. Oh, ça va, les commères, là? Marc, j'ai besoin de toi pour une mission de reconnaissance. Allons voir comment Jude s'en sort avec son équipe. De reconnaissance? Eh bien oui, je suis sûr que tu es impatient de voir comment se débrouille le petit Austin, pas vrai? Ouais, moi j'ai hâte de voir comment ça se passe entre Jude et Caleb. Ah c'est vrai, David il est avec nous, il est pas avec... Ok. Alors d'accord, allons voir comment ils s'en sortent, mais pas longtemps, allons à la rivière. Ok, on va voir les frérots, on va voir nos amis. On va espionner un peu la team Jude. Allez c'est parti, go rivière. Oh, on a débloqué la rivière, on l'avait pas avant je crois. Est-ce qu'il n'y aurait pas des coffres ici? Il n'y aurait pas des petits coffres, tu vois? Ah, il y a un coffre, j'ai vu. Allez, encore du level up, ça sera pas de mal avant le match, de toute façon. Jetons jaune encore.
Jetons bleus, ok. Que des jetons, ok. Je pense que ça nous servira à un moment donné, hein. Notamment dans les machines à capsules. Ah, par contre, les défis, ils veulent pas te lâcher ou c'est moi, là? Lâchez-nous, vite fait, s'il vous plaît. Dribble. Voilà. Lob, puissance max. Vous vous rappelez Xavier, le lob qu'il a mis à Nero? Ou pas? Je sais pas si c'était lui, non, c'était Sean. Le lob qu'il a mis à Nero dans Inazuma Eleven 2, c'était magnifique. Ah, franchement, c'était vraiment la meilleure action. Ah, Sean nous avait régalé. Allez. Du coup, y a pas d'autres coffres. Ah, mais putain, ils sont vraiment paradins, je n'ai partout des coffres. Hein. Au minéral, ok, nice. Il doit y en avoir en haut, je pense. Ok, parfait, hein, il y en a juste ici. Crampon de jouvence. Allez, on va s'équiper un petit peu. On va regarder un peu les équipements qu'on a, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Xavier, on va lui mettre un truc. La vitesse, c'est pas ouf pour Xavier. Je vais pas lui mettre. Je mettrai des comprendre frappe, je pense que c'est mieux. Sean, à la limite, on peut lui mettre un peu de vitesse. Et pourquoi pas hurler aussi, allez. Voilà. Voilà, c'était un petit peu au pif, mais bon. C'est pas grave. Des coffres? Oh yes, putain, bien. Alors, c'est quoi? Tunnel alternatif, ok, une technique de la tempête des Gémeaux. Bon, les défis, va falloir se calmer. Viens, maman, si c'est tout le jeu comme ça, va falloir peut-être se calmer un petit peu. Putain, ils sont en train de me racketter. Incroyable. Pire qu'une Inazuma Eleven 2, hein. Allez, c'est parti. Oh, Marc, je suis heureux de te voir. Jude et Caleb sont... Je t'ai dit de passer le ballon, Caleb. Le foot est un jeu d'équipe. Oui, oui, c'est ça. Comme si ton entraînement ridicule intéressait quelqu'un ici. Quoi? Excusez-moi. Désolé de vous interrompre, mais je dois y aller. Donc, à plus tard. C'est vraiment la pire équipe. Hein. J'ai bien fait de pas les prendre. Hein. Rien ne va dans leur équipe. J'en ai marre d'être entouré de bon à rien. Genre il est discret, mais genre il est discret lui. Mais qui c'était? Eh mais où est Nelly? Elle était censée être avec vous, n'est-ce pas Jude? Oh c'est vrai Marc, mais avec tout ce qui s'est passé, je n'ai pas remarqué son absence. Bonjour les jeunes, ah vous faites un petit match de foot à ce que je vois. Faites-moi donc une passe, tiens. Qu'est-ce qu'il vient faire là le pervers? Oh bonjour monsieur vétéran, vous n'aurez pas vu Nelly par hasard? Si bien sûr, bah oui, bah forcément. Il a toujours l'œil lui. Elle doit être à l'aéroport alors qu'il est. Il connaît toute la vie des managers, hein. Incroyable. Ah, chez lui, je suis sûr qu'il a fait un. Vous savez, comme dans les films de policiers là, il trace les traits et tout. Genre, il a fait un traçage, c'est obligé. Il faudrait pas qu'elle rate son avion, elle part étudier à l'étranger après tout. Et les études, c'est important. Hein? Nelly part étudier à l'étranger? Mais que. C'est la première fois qu'on entend parler de ça. Vraiment? Dans ce cas, j'imagine qu'elle voulait peut-être tenir ça secret et. Oh! Oups, j'aurais dû tenir ma langue. Nelly, pourquoi nous as-tu rien dit? Viens, Marc, il n'est peut-être pas trop tard. Allons à l'aéroport. Parfait. Nouvelle zone. Eh ben, Nelly va partir, on y va, hein. On va se courir. Putain, mais c'est pas possible. Gros, je fais un mètre. Je te jure, je fais un mètre. Allez, ça dégage. Fuite. Fuite. Laissez-moi tranquille. Allez, go. Nelly. Ah, on vient de débloquer celui de Tokyo. D'accord, je réagis 3 heures en retard, mais c'est pas grave, on vient de débloquer une nouvelle zone, c'est cool. Dans ce jeu, il y a énormément de zones, les amis, je crois. Il y en a vraiment beaucoup. Je sais pas si on a plus que Chronostone ou pas, mais il y en a beaucoup en tout cas. Ok, elle est là, Nelly. Oh, cinématique encore, putain, il y en a 20 000. C'est trop bien. Alors, tu es décidé à partir? Oui, père. Promettez-moi de prendre soin de vous. C'est promis. Et toi aussi, Nelly. Fais attention à toi. Désolée, père. Je dois vraiment faire ce voyage. Je ne voulais pas partir si brutalement, mais si ces informations sont exactes, la vie de Marc va changer pour toujours. Je dois absolument découvrir la vérité par moi-même. C'est le moment de tendre la main aux autres. Je n'avais jamais ressenti ça auparavant. Moi, t'es amoureuse, tu peux le dire, hein. Il n'y a pas une honte, hein. Tout va bien, Nelly. Je comprends. Pars tranquille. Le daron, il a capté, hein. J'annoncerai la nouvelle à Marc et aux autres.
Merci, père. T'as dit même pas au revoir, vraiment, c'est... Ah, Nelly! Oh, Marc, et vous tous? Que faites-vous ici? On arrive juste à temps, apparemment. Pff, c'est pas trop tôt, je n'aurais pas pu courir une seconde de plus. Pff, ah, Nelly, pourquoi tu nous as rien dit? Tu ne vas même pas rester le match de sélection? Désolé, mon voyage est prévu depuis bien longtemps. Sylvia, Célia, je vous fais confiance pour gérer tout ça. Vous êtes en charge de l'équipe nationale, ne me décevez pas. Oui, d'accord. C'est bien, vrai, dans sa tête, elle est en mode, oui, yes, une concurrente en moins, yes. Ah, d'accord, Nelly, très bien, amuse-toi bien. Et on se reverra pour la finale du tournoi. Tu sembles bien sûr de toi. Tu ne penses tout de même pas que cela va être une partie de plaisir, Marc. Tu risques d'être déçu. Mais non, Nelly. Moi, je sais très bien qu'on va y arriver. On peut tout accomplir si on croit en nous-mêmes et qu'on se donne à fond. Il ne changera jamais. Non, c'est sûr. Hé, hey, Nelly. On n'a qu'à faire un pacte, d'accord? Je promets de faire de mon mieux si tu fais la même chose de ton côté. Marc, c'est gentil de penser à moi, mais tu devrais plutôt te préoccuper de ne pas ridiculiser Raymond face au monde entier. À bientôt, Marc. Nelly! Au revoir, Nelly. Grâce à toi, je faisais des vues. Nelly, reviens. Encore une cinématique, bon sang, mais c'est un film, ce jeu. Je suis si fier, ma chère Nelly. Ok, très bien. Tous les joueurs ont fait de leur mieux et se sont entraînés au maximum pour le match de sélection. Allez, le match! Tous ont pour objectif de décrocher la victoire et d'être sélectionnés dans leur équipe nationale. Tous, sauf Archer. Archer, il va nous faire rire. Hein. Ah là là, il va nous faire rire ce let's play. Hein. Allez Archer, donne tout ce que tu as. Il va rater. Je pensais pas qu'il allait rater autant ce con. Oh mais quel boulet. Bon, vous allez voir, ce tir là va être complètement raté lui aussi. Même Willy est meilleur que lui, je ne comprends pas pourquoi ils l'ont choisi pour le match de sélection. Ah, c'est même Willy meilleur que lui, quoi. Regardez-moi ça. Il se coiffe et se recoiffe comme s'il n'avait vraiment rien à faire. Il se prend pour qui, celui-là? Bah non, ça va aller. Tout cet entraînement, ça va me faire transpirer. C'est tout ce que ça fera. C'est pas trop mon truc, voilà. Au moins, il est 100% franc. Hein. Ce mec n'a aucune limite. Hein. Tout le monde s'entraîne dur. Monsieur Hillman. Alors Archer, l'entraînement te plaît? Tu en profites pour bien t'améliorer grâce à tes coéquipiers? Oui, monsieur l'entraîneur. Alors, en fait, il n'y a que Hillman qui respecte. Là, il va encore rater. Ce serait cher drôle. C'est pas possible. Ah, donc, c'est si monsieur Hillman qui lui dit de faire quelque chose, il le fait. J'ai comme un mauvais pressentiment. Oui, moi aussi. Troisième fois qu'il rate de suite. Non, mais... Deux jours plus tard, le jour du match de sélection. Le jour du match, les gars! Yes! Enfin, on va faire le match de sélection, c'est super, hein, Jude? Donc, d'ici la fin de la journée, nous saurons qui représentera le Japon au tournoi FFI. Et oui, mon équipe et moi, on s'est entraînés à fond les ballons. On ne peut pas perdre, j'en suis sûr. Ah, si tu le dis, dans tous les cas, ce match restera dans les annales. C'est clair. Bon, allons au collège Raymond, c'est l'heure du match. Let's go! C'est l'heure du match, putain! C'est l'heure du match, les gars. Moi, c'est dans ces moments-là que je kiffe. En plus, ça va être un super match, franchement, trop cool. Allez, c'est parti pour notre véritable premier match de l'aventure. Bon, allez, vous savez quoi? Vous m'avez cassé les couilles. Ça va être notre entraînement. Petit échauffement avant le match. Petit échauffement, on vous roule dessus. Même pas une volée, voilà. C'est parti. Oh non, pas le poteau, il va mettre le poteau. Putain, il a mis un poteau, mais c'est sérieux. Pas possible. Allez, le lob, ça passe. Yes, ça passe le lob. Génial. Tintin, allez, du level up encore. Je sais pas s'ils vont... Flash photonique, nouvelle technique pour Xavier, pas négligeable avant le match. Je sais pas, ils vont être niveau combien, j'espère pas trop haut non plus. Mais on verra bien. Allons, on se soigne ensuite, on sauvegarde parce que là, ça va être chaud. Yes, que 10 points, ça va, ça augmente un peu, mais pas trop. Putain, les défis juste avant, quoi. Non, mais c'est de l'harcèlement, hein. C'est de l'harcèlement. Putain, si vous pouvez nous donner le bracelet sop dès le début, ça changerait des vies, je pense. Hein. Allez, c'est parti.
Oh là là, il y a du monde, il y a du monde. Il y a du public, les gars. Waouh, regardez tous ces gens. Aïe, je me sens crispé. Il faut que j'aille au petit coin. Ouais, les gens ont grave envie de voir ce match, hein. Ça me donne la sensation que cette histoire va être mondiale. Mondiale, gloops. En fait, Austin, c'est... Comment ça s'appelle? C'est Metal Lee dans Boruto. Austin, relâche tes épaules. Tu vas être trop tendu, tu vas finir par avoir des crampes. D'accord. Je reconnais certains visages. De vieilles connaissances sont venues nous apporter leur soutien. Il nous reste un peu de temps avant le début du match. Peut-être qu'on devrait aller leur parler un peu. Oh non, pas encore. Bah oui, ils ont fait l'effort de venir nous regarder jouer quand même. On devrait aller leur dire bonjour. Oh putain, non, mais c'est des nuls, c'est des randoms. On les connaît plus, nous. Attends. Retrouvez tous vos anciens amis. Putain. Alors, y'a qui? Ah là, y'a Sam. C'est parti. Et regardez toutes les caméras de télé, ça me rend plus que nerveux que les autres. Ok, d'accord. C'est pas grave, c'est cool. Ça, c'est ce genre de dialogue inutile. En plus, il y a des défis. Non, les gars, ils auraient pu au moins nous enlever les défis. Franchement, vous auriez pu être cool. Écrase-les, Jude. Toi aussi, David. Écrase-les tous. Ok. C'est qui lui? Ah, c'est un mec des Alpins, lui. Allez, allez, Sean. Tous les élèves du collège Alpins sont avec toi. Enfin, il y a que toi, mais bon, si tu veux. Malcolm, tiens, lui c'est un personnage sympa. Eric et Bobby n'ont pas pu venir, alors je vous regarde pour nous trois, rendez-nous fiers. Malcolm, ok, j'aime bien ce perso. Et les gars, ça fait longtemps, tiens, comment va Darren au fait? Vous pensez qu'il va être sélectionné? Ok, donc il y a le pote de Darren qui est là. Un jeton rouge, ok. Il y a qui d'autre? Ah, il y a le beatboxer là. Poum poum tchak, poum poum tchak. Je trouve votre équipe à fière allure, mais il y a un type que qui ne joue pas en mesure. Je suppose qu'on verra sur la pelouse s'il s'agit d'un as ou bien d'une bouse. Oh là là, mais il sort des punchlines, lui. J'ai la berlue ou quoi? Pourquoi est-ce que Stonewall, le danger public, fait partie de l'équipe de Jude avec sa crête de punk? Ouh, ça clash. Ce serait pas de la jalousie, ça, monsieur? Allez, sauvegarde. Allez, c'est parti pour le match. On vient de sauvegarder. Vous avez fini de parler à tout le monde. C'est parti. Voilà la team, notre team. Contre nos adversaires. Ah, il y a du lourd, hein. Y a Caleb, Austin, Nathan, Axel. Bienvenue, fans de football. Le moment tant attendu est arrivé. C'est le début du match de sélection pour l'équipe nationale. Les stars de la Ligue du football intercollège sont rassemblés sur le terrain pour une rencontre qui promet du spectacle. Putain, ça fait longtemps chez Star Wars là. Depuis Striker, il nous a manqué. Oh, cinématique. Hyde, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait ici? Et qu'est-ce que tu recherches au juste? Bah, tu le sais bien, je recherche quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Je pense qu'il pourrait m'enseigner une chose ou deux. Oh. Vraiment? Que pourrais-tu apprendre de ces joueurs-là? Oh, respecte-nous un peu. On verra bien. Ce vieux mec-là, il nous respecte même pas, ce bâtard. Allez tout le monde, le match va commencer. Ouais! Place dans la sélection nationale aujourd'hui. On ne fera pas semblant. La fête commence. Je suis enfin moi-même. Et j'ai trouvé des coéquipiers fantastiques. Rien ne m'arrêtera. Les meilleurs joueurs du monde nous attendent de pied ferme. Il n'est pas question que je rate cette chance de les affronter. Allez, c'est que le début. On va conquérir le monde du football. Ok, allez, c'est parti. Conquérissons ce monde ensemble. Il y a tellement de monde. Lui fait trop le patron, putain. Quel boss. A contre B, nous je crois on est A. Ok, donc ça c'est notre team. VS. Ah, Jude il en impose, hein. Ok, donc ok. Il y a du lourd en face aussi, hein. Je ne vais pas me retenir, Marc. On va tout donner. C'est parti. Let's go, allez, premier match, premier vrai match les amis, faut pas le perdre, il faut le gagner. Je sais pas si ça va changer ou si ça va être scripté, mais il faut pas le perdre en tout cas. Frenzy, ok, on connaît, t'inquiète. Sélection A contre sélection B. C'est parti. Alors, ok, ça c'est notre team, on va laisser comme ça. On n'a pas de remplaçant, je crois. Donc nos joueurs sont niveau 5.
Ok, et eux? On va voir leur niveau. J'ai un petit peu peur, les amis. Aïe, aïe, aïe. 5. Ok, ils sont comme nous, en fait. Ok, bon, ça va. Ok, bon, bah, c'est parti. C'est parti. Let's go. L'heure du match de sélection est enfin arrivée. Dès le coup d'envoi, chacun est prêt à tout donner sur le terrain. Ah, cinématique, ok. Eh ben, ils font pas semblant. C'est du sérieux. Suis-moi, hurler. On entre dans la mêlée. Oh ouais, faut prendre la vague, mec. Regarde, Marc. Je vais réussir. Je vais l'arrêter. Ok. Ok, loup légendaire. Contre main de l'infini N2. Ok, il l'a arrêté, putain. Tu fais pas semblant, Sean. Je ne sens plus mes mains. Eh, tu n'as pas chômé à l'entraînement, toi non plus. Mais tu vas voir, le prochain va rentrer, j'en suis sûr. Ok, c'est parti, ça joue. Alors. Ok, vraiment, véritablement, c'est le premier match. Axel qui a la balle en face. Subtilisation. Ok. Bien joué, Max. Pour Sean, peut-être. Il peut l'avoir. Ah, il l'a, ok. Allez, un dribble. Oh, Shadow qui récupère la balle à Sean. Bien joué, Shadow. Austin, ok. Austin a la balle. Faut lui foncer dessus. Merde, passe pour Jude, ok. Allez, Orley. Faut pas laisser tirer Jude, hein. Tacle. Ballon illusoire 2, putain, attention. Ok, il va tirer, putain, attention. Allez, Jack. Le mur, yes. Oh, mais Jude, il est on fire, mon dieu. C'est quoi ce mec? C'est quoi ce mec, gros? Il est trop chaud. Tire puissance 2, ok. Allez, point de la justice. Allez, Marc. Quoi? Poteau. On a de la chance. On a trop de chance. On a trop de chance. Oh, notez cette chatte dans les commentaires, les gars. Notez cette chatte sur 10. Mon dieu, poteau. On méritait de se prendre le but. Ok, bah, Jude qui est on fire, heureusement. Mais Jude, il est instoppable, oh. Tacle-le, bon sang. Voilà. Ça dégage devant. David. Sean. Xavier. Allez, on prend la contre-attaque, c'est parfait. Un petit peu de réussite pour nous, mais c'est pas grave, on prend. Meteor G en V2. Est-ce que ça peut passer? Mince, c'est l'S2. Oh là là là, mais quel con. Non mais gros, tu vas pas être pris d'arène, là c'est pas possible. Gros, tu fais des choix de technique comme ça. But les gars, bien joué Xavier. 1-0 pour nous, avec 100% de réussite, mais c'est pas grave. On prend. Ok, tac. Ok, bien joué, Sean. Alors, on va faire tourner un peu. Marvin. Sean. Ah, ils sont bien, hein, ils sont bien regroupés. J'ai vu, ils jouent en triangle de la mort 2. Une stratégie bien sur, pour le milieu de terrain. Donc, bien joué de leur part. Oh là là, mais Maxel en face, il est chaud, mon sang. Bien joué, Hurley. Allez, petit tir tsunami de loin pour Hurley. Ce qui est bien dans le jeu, déjà, dès le début, toutes tes techniques, elles sont V2, j'ai l'impression, donc c'est cool. Est-ce qu'il peut marquer d'ici? Ouh, frénésie. Main de l'infini. Il l'arrête. Très bien. Un peu normal, en frénésie, plus les mains de l'infini, voilà quoi, c'est un petit peu logique. Putain, ils sont pas mauvais, hein. Ils sont pas vraiment pas mauvais. En vrai, là, il y aurait pu avoir un partout, même défaite pour l'instant. Ce pauvre Hatcher n'est pas très doué, sans vouloir être mal poli, je pense qu'avec lui en défense, la victoire sera facile. Grin, j'ai beau essayer, ça ne sert à rien. T'en fais pas, Hatcher. Tu vas voir, ça ira mieux à la deuxième mi-temps. C'est super, continuez comme ça, tenez bon jusqu'au coup de sifflet final. Ça marche, capitaine. Ils ont l'air de bien s'amuser sur le terrain. Ce sont là les meilleurs joueurs du pays. C'est tout ce qu'ils ont à offrir. Oh, mais il a aucun respect. Par contre, la possession, c'est normal. Oh. Oh gros, non mais c'est, on a 28 de possession, c'est mon pire score là. J'ai jamais fait pire. Au début de la deuxième mi-temps, tous redoublèrent d'efforts pour décrocher une place dans la sélection. Oh, encore une cinématique.
exceptionnel. Hey, Austin, bouge-toi. Oui. Ils ont l'air super forts, ces deux-là. Et je suis censé les arrêter. T'es défenseur, frère. Allez, montre-moi tout ton talent, Axel. Ne lâche rien. Axel, Jude, allez-y. Ne vous retenez pas. Je vous jure, on va avoir une trop belle équipe. Inazuma Japon, on va avoir une putain d'équipe. Prépare-toi, Marc. Ah, vas-y, ne te retiens pas, je vais l'arrêter. Ouh, attention. Allez, Marc. Aïe, j'ai peur qu'il me mette un but cinématique. Allez, Archer. Oh, bien joué. Oh, bien joué. T'es le boss. Oh, t'es le boss, Archer. Mais qu'est-ce que c'était? Quoi? Comment a-t-il fait pour arrêter ça? Le tir de Caleb a été ralenti. C'était pas mal, hein. Les coachs peut-être impressionnés, j'en sais rien. Allez, c'est parti. Marvin. Xavier Foster. Sean est tout seul. Sean face à face contre Darren, loup légendaire. Allez, Sean. Loup légendaire pour Sean. Allez, faut espérer que ça passe pour le 2-0. Comme ça, on est un peu plus tranquille. Mince, ça devrait peut-être passer. Ça passe, yes, bien joué Sean, bien joué Sean, t'es vraiment un boss. C'est pour cette raison aussi que j'ai pris cette équipe, parce qu'il y a Xavier et Sean en attaque, ils sont vraiment pas mauvais, hein. Allez, on continue. J'ai peut-être activé ma frénésie, moi. Allez, j'active ma frénésie. À nous, maintenant. Blocage. Blocage, bien joué. Merde. Ok, touche pour eux, c'est pas grave. Sean, tu l'as? Ah non, il l'a pas. Tac. Attention à leur attaque, ils peuvent marquer quand même, ils ont des bons joueurs. Le mur. Le mur qui passe, ok, bien joué Jack. Très très bien. On balance devant. Kevin peut-être qu'il peut marquer, je sais pas. Allez Kevin. Merde, c'est Nathan qui l'a. Il est rapide lui aussi. Ok Kevin, bien joué. Allez Kevin, face à face, tu mets ton but toi aussi. C'est la fête pour tout le monde. Choc du dragon 2. Darren n'a plus de technique, c'est très très bien. Et ça fait 2-0 pour nous, 3-0 pour nous les amis. En vrai, Jude aurait mérité de marquer, je vais pas dire. Mais franchement, il aurait mérité, il nous a fait un festival. Putain, ils sont fatigués, il est fatigué Sean. Il est épuisé. Oh là 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 là, c'est une humiliation mesdames et messieurs. Oh merde, Sean, oh, il est mort, Sean. Regardez-le, il est mort. Il est épuisé. Tout le monde est mort, regardez ça, mais mon dieu. Allez, tu sais quoi, je dégage devant, là faut perdre du temps, de toute façon. Allez, ça dégage devant. Allez, Sean, pourquoi pas, Xavier. T'es une fusée, Xavier, t'es une fusée. Tu le dribbles. Oh là là, mais Xavier, mon dieu. Quel talent. Quel joueur de talent. Le lob. Est-ce que ça va faire 4-0? Oh là là, même Darren il a rien pu faire. Attention quand même alors Axel Blaze. On dégage devant pour Sean. Voilà. Feinte. Mais Marvin il est on fire aussi hein. On a des... merde, pourquoi j'ai fait la passe là? En fait j'aimerais bien faire tirer David vu qu'il lui reste encore une des techniques. Bien joué David. Ce serait pas le 5-0 qui se profile? Est-ce que ça serait pas le 5-0 les gars? On vient de les avoir en rang S, c'est sérieux. Ok, 5-0, c'est une correction. Ça tourne au drame. Non mais Darren ne peut pas être sélectionné, je suis désolé. Vu la prestation qu'il nous a fait aujourd'hui, Darren ne peut pas être sélectionné, c'est pas possible. C'est pas possible mesdames et messieurs. Regardez sa prestation, il s'est pris 5 buts. Un arrêt. Bon bah fin du match, 5-0 pour nous. On va dire 5-1 parce qu'il aurait dû marquer. Je leur accorde un but quand même, allez. Je suis généreux, on leur accorde un but. Super les amis, on a gagné. Dommage, je n'ai pas pu trouver mon second souffle. Bon bah très très bien. Ok, du level up plus boulet doré, ok. C'est bien, il était pas scripté le match. Quel beau match, Jules, t'étais super. C'est vrai.
Bien joué tout le monde. Votre passion pour le football occupait vraiment le devant de la scène aujourd'hui. Merci monsieur Hellman. Bien, il est temps que j'abrège vos souffrances. Alors c'est l'heure d'annoncer les résultats. Ah, enfin. Voilà l'homme qui vous observait lors de votre entraînement tout à l'heure. Que fait-il avec monsieur Hellman? En tout cas, si on doit attendre encore longtemps pour savoir qui a été sélectionné, je vais devenir dingue. Ce sont les meilleurs qui seront pris, c'est la loi du plus fort, comme dans la nature. Tu vas sentir drôlement faible s'ils ne te choisissent pas maintenant que tu as dit ça. C'est pas très gentil de ta part, Soucy. Allez, on veut les résultats, nous. Austin, je voulais te demander quelque chose. Tu as eu de belles occasions pendant le match. Pourquoi ne pas en avoir tiré parti? Tu aurais pu marquer. Pourquoi n'as-tu pas tenté de tirer alors que le but était sans défense? Je me disais que ça irriterait tout le monde si je monopolisais le ballon en tant que nouveau venu. Bon, je dois y aller, salut. Mais mec, il y a la sélection, pourquoi tu pars? Il est con ce mec. Le mec, il a même pas été appelé, il se casse. Non, il nous a pas montré ce dont il était capable, n'est-ce pas? En effet, et pourtant, c'était le but même de ce match, démontrer nos capacités. Qu'est-ce qu'il lui prend? C'est surtout qu'il se barre avant les résultats, quoi. C'est quoi ce mec? Attendez le verdict. Bon bah les gars, on va pas attendre nous hein. On attend pas, let's go hein. C'est parti. Il est enfin temps d'annoncer la composition des équipes, de l'équipe qui représentera le Japon au football frontière international. Loups. Oh, allez, c'est parti. Je vous ai observé attentivement aujourd'hui. Certains d'entre vous méritent leur place en sélection nationale. D'autres, non. Allez, on t'écoute. Regardez Jack derrière. Je me demande si j'ai été choisi. Mais avant toute chose, j'ai le plaisir de vous présenter l'entraîneur de la sélection nationale. Quoi? Le nouvel entraîneur. Mais alors, monsieur Hellman, vous n'êtes plus notre coach? C'est bien Marc, je comprends vite. Désormais, vous aurez des comptes à me rendre. Je suis votre nouvel entraîneur. Percival Trevis. Trevis? Coach Trevis. C'est vraiment lui? C'est lui qui va diriger la sélection nationale? Bien, commençons. Voici la liste des joueurs qui ont été retenus. Allez, lui aussi il a fait sa tier list. C'est parti, on va la découvrir. Mais pourquoi n'allez-vous pas être notre entraîneur, monsieur Hellman? Après mûre réflexion, j'ai conclu que monsieur Trevis serait plus adapté que moi pour faire de vous des meilleurs joueurs. Mince alors, mais vous auriez pu nous le dire plus tôt, on est déjà assez perturbé comme ça. On comprend votre décision, monsieur Hellman, on vous fait confiance. Marc, si vous en avez terminé, j'aimerais vous annoncer la composition de l'équipe. Marc, il est stressé de ouf. Putain, y'a tout ça, y'a du monde. Normal. Austin Hobbs, Archer Hawkins. Allez, ça y est, Archer Hawkins va y avoir de l'ambiance. Oui, monsieur l'entraîneur. Jack Wolfsheim. Il ne revient pas, tu sais. Et enfin. Votre capitaine, Mark Evans. Merci, monsieur l'entraîneur. Voilà les noms des 16 membres de l'équipe. Pardon, mais je crois qu'il doit y avoir une erreur. Comment se fait-il que je n'ai pas été sélectionné? Je n'ai jamais échoué de ma vie. Les pauvres. Félicitations, Jude. Ah, dommage, David. J'y crois pas, je vais jouer pour le Japon, mais je rêve, pensez-moi, je rêve. Pas besoin de me le dire deux fois.
Mais ça veut dire que je ne rêve pas, oh, je suis heureux, ouais. Attends, on va rigoler, il y a des sacrés trous du cul dans notre équipe. Soupir, je suppose que je ne suis pas assez bon. Ah, ça c'est le clan des recalés. Malheureusement, Shadow. Je n'ai pas été sélectionné, ah, je suis dégoûté. J'y crois pas, je n'ose même pas le dire à voix haute. J'ai échoué, bouh. Allez, Isaac, pas la peine d'en faire un fromage. Hé, hey, je sais ce qu'il te faut pour te remonter le moral. Quoi donc? Oh là là, il y en a qui ne sont pas taillés pour faire face à la pression. Jude. Ne nous déçois pas. Tu ne représentes pas seulement le Japon, mais aussi la Royal Academy. David, je compte pas vous décevoir. Vous allez devoir vous battre à notre place. Les gars, montrez ce qu'on vous... C'est d'accord. Kevin. Ceux d'entre vous qui ont été choisis portent les rêves et les espoirs de ceux qui n'ont pas eu cette chance. N'oubliez jamais cela. D'accord, monsieur Hillman. À partir d'aujourd'hui, vous êtes les membres de l'équipe Nippon Junior Inazuma Japon. Inazuma Japon, waouh! C'est trop génial! Allez tout le monde, mettez-vous en ligne, on va prendre une photo souvenir. Yes, la petite photo. Peut-être pour la miniature, je sais pas. Alors comme ça, on va se mesurer à la planète entière. Je croyais que ce jour n'arriverait jamais, mais nous y voilà. C'est la première étape vers les sommets du football. Je me demande quel genre d'adversaires nous attendent. J'ai hâte de tous les rencontrer. Peu importe les adversaires, on ne va pas se laisser faire. Ok, bah y'a de l'ambiance, ça va. Champion du monde, laissez-moi rire. Laissez-moi vous expliquer la raison de ma présence. Je suis ici pour mettre fin à vos rêveries. Pour un... Comme il sautille. Tu m'as compris, je vais être clair. En jouant tel que vous l'avez fait aujourd'hui, vous ne ferez pas le poids au niveau mondial. Faire de son mieux, donner tout ce qu'on a, tout cela ne sera pas suffisant à l'avenir. Désormais, vous vous tairez et vous ferez ce que je vous dis. Et pas de réponse insolente, maintenant allez vous reposer. Wow, il est tellement cash. Mais c'est bien, c'est bonne méthode. Oulala, ce monsieur Travis est vraiment terrifiant. Attends, son nom c'est Travis. Est-ce que ça veut dire que... Oui, le nouvel entraîneur c'est mon père. Oh, je comprends maintenant. C'est pour ça que tu as rejoint l'équipe. Pas possible, l'entraîneur est ton père, Camilou. Je me souvenais pas qu'il ressemblait à ça. Tu fais quoi, wesh? Ah, elle est en train d'écrire son ordi. Ok, d'accord. Travis, c'est bizarre. Qu'est-ce que tu fais, Celia? Je crois que tu te sers d'un ordinateur. Un ordinateur, hein, je suis dès là, moi. T'inquiète pas. Oui, j'ai décidé de sonder un peu le passé de monsieur Travis. Je voulais en savoir plus à son sujet et regarde ce que j'ai trouvé. Tiens, c'est louche. Je dirais même plus, c'est très louche. Je me demande pourquoi monsieur Hillman irait faire appel à un tel individu pour entraîner la sélection nationale. Tiens. Oh! Ah oui, ils ont pas l'âge commode, tu le sens direct. Parfait, nous savons maintenant comment se compose l'équipe Inazuma Japon. Nous avons eu ce que nous voulions. Alors, c'est lui, Mark Evans? La ressemblance est frappante. Est-ce qu'on doit faire un rapport? Inutile de faire un rapport sur une équipe aussi faiblarde. Ah, mais on devrait peut-être informer notre nouvel ami. J'aimerais bien voir sa tête quand il entendra le nom de Mark Evans. Très bien. C'est ainsi que commence l'aventure de Inazuma Japon, en route pour prendre part au football frontière international. Pendant ce temps, aux quatre coins du monde, les équipes nationales se préparaient à concourir au premier tournoi FFI. Allez tout le monde, c'est l'heure d'aller voir si les Big Wells sont capables de surfer sur la vague du succès planétaire. Nos futurs adversaires peut-être, on sait pas trop. Mes amis, notre aventure commence aujourd'hui. Elle ne sera pas de tout repos, mais un grand trophée est à notre portée. Ils ont l'air tous chauds. Hein. Il est temps de partir pour le Japon. Il est temps que le monde voit notre plus grand tacticien d'Asie à l'œuvre. Ils ont tous une confiance, mais de malade. Autre part au Japon, deux joueurs entament leur propre voyage à destination du football frontière international.
Oh tiens, Bobby et Eric. Allez Eric, notre avion va décoller à l'instant. Tu as vu ça Bobby? Regarde le journal. Hein? Pas possible, c'est Marc et les autres. Ils ont fait la une. Waouh, Inazuma Japon, hein? On ne parle que d'eux. On dirait bien, oui. Vol American Airlines numéro 172. Dernier appel à l'embarquement pour les passagers Eagle et Shearer. Vous trouvez que je fais bien la voix ou pas? Dites-moi si je pourrais taffer dans les aéroports français. Mince alors, on doit vite courir, sinon ils vont partir sans nous, dépêche. Nous nous reverrons bientôt, Marc. Mais cette fois, ce sera en tant qu'adversaire. Très bien. Parallèlement dans l'an 20XX. D'accord. Il se passe beaucoup beaucoup de choses là. L'épisode, j'espère, il va pas être trop long. What? Ça fait déjà une heure que je tourne. Oh, une heure que je tourne, les amis. Ainsi, l'opération Brise-Tonnerre a finalement commencé. J'en ai bien peur. Cette sinistre conspiration pour effacer le football de l'histoire est lancée. Je n'arrive pas à croire qu'ils veuillent modifier toute l'histoire rien que pour s'en débarrasser du foot. C'est horrible. Nous devons continuer nos recherches au sujet des ogres afin de découvrir leurs forces et leurs faiblesses. D'accord, professeur. Je pars en mission de reconnaissance. À plus tard. Non, attends, c'est trop dangereux. Nous ignorons de quoi ce Hillman et ses troupes sont capables. Mais je ne peux pas rester là sans rien faire. Mon arrière-grand-père est en danger, et donc moi aussi je suis en danger. Bah alors, vas-y, réponds. Bien. S'il se passe quelque chose, tu dois me prévenir sur le champ. Bon, ça va, il a fait changer d'avis en une phrase. Bravo, Canon, hein. Tu es très très convaincant. Bien sûr, professeur, et merci, je ferai tout mon possible pour protéger le présent. Yes, allez, Canon! J'arrive, grand-papy. C'est le moment de remonter le temps. 80 années en arrière, what? Jusqu'à ton époque. Saut temporel. Wunderbar, sort de ce corps. Prochainement. Oh. C'est l'heure de faire nos débuts sur la scène internationale et de nous hisser au sommet. Les qualifications océano-asiatiques du FFI démarrent dans le chapitre 2, l'entraîneur maudit. Comment ça, on n'a pas le droit de s'entraîner? Ça, c'est du sport. Ok, nice. C'est vraiment, sont vraiment cool les cinématiques. Hein. Oh là là, cet épisode, je sais pas, il va durer combien de temps? Putain, ça va durer grave longtemps. Ogre, opération Brise-Tonnerre est lancée. Souvenez-vous de votre mission, remonter jusqu'à l'époque de Mark Evans, il y a 80 ans, et corriger le cours de l'histoire. Tenez-vous prêt à vous servir de vos pouvoirs si les conditions le requièrent au cœur des hostilités. À vos ordres, déployez-vous. Nous sommes à l'aube d'un jour nouveau. Le soleil va se lever sur un monde sans football, l'échec n'est pas permis. Très bien, vous êtes des tarés quand même. Parallèlement dans le présent. Putain, on bascule entre futur et présent, c'est cool en vrai. Une belle histoire. Hein. Alors, voilà, le Stade Football Frontier, c'est l'endroit parfait pour les qualifications océano-asiatiques, n'est-ce pas, papa? Bien, nous savons à quoi ressemble le stade à présent, on peut s'en aller. Et c'est Percival Travis, non? Mais oui, t'as raison, il a du culot de venir se montrer près d'un terrain de foot. J'arrive pas à croire que Monsieur Hillman l'ait nommé pour s'occuper de la sélection nationale. Mais où diantre avait-il la tête? C'est le championnat du monde quand même. Qu'est-ce qu'on va faire s'il nous refait le même coup qu'il y a 10 ans? Papa? Allez, on rentre à la maison. C'est ça, décampe, on n'a pas besoin de ta poisse ici. Le pauvre, wesh. Chapitre 2. Putain, déjà le chapitre 2! What? Mais je vais trop vite! Bon, les gars, les épisodes seront un peu plus courts. Hein. Là, c'était vraiment spécial. Les prochains épisodes seront un peu plus courts parce que là, what? On a fait deux gros épisodes. Les prochains seront un peu plus courts, je l'annonce. Miam miam, j'en veux encore, s'il vous plaît. Et moi aussi. Bon, ok, ils sont en train de grailler vite fait. Ils ont vraiment la dalle, hein. Marc, c'est un gros dalle quand même. Hein. Burk, mais enfin, pourquoi est-ce que c'est si salé? Oh, désolé, j'avais essayé de faire un mélange moi-même. C'est si mauvais que ça. Non, non, Camilo, bien sûr que non, c'est très intéressant comme saveur. Marc, le lèche-cul.
Ah, elle vient de se rappeler de son nom. Bon, les gars, on va skip, hein. C'est pas très intéressant là, je crois. Mais là, on va encore, ok, d'accord. Rapprochement, attention, entre les deux en. Les deux tourtereaux. Hop, fouf, je suis arrivé juste à temps. Pourquoi tu dors pas au dortoir comme tout le monde? Tu aurais plus besoin de faire tout ce chemin depuis chez toi. Mais je suis incapable de dormir dans un autre lit que le mien. Et t'as besoin de ta maman qui te chante une berceuse, pauvre petit choupignon. Ça suffit, Caleb. Allez, tout le monde, l'entraînement est commencé tout de suite après le petit déjeuner. Tous ceux qui ont terminé, dehors. Ok les amis, on va s'arrêter là. Ça fait un très gros épisode, j'espère quand même que ça vous a plu. L'épisode va sûrement durer une heure, je sais pas, je verrai au montage. J'espère que cet épisode 2 sur Inazuma Eleven 3 vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner aussi les amis sur la chaîne, ça me ferait grave plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, c'était Rems, à plus les gars, portez-vous bien.